Aujourd'hui, en parlant avec ma fille, j'ai été très étonnée d'associer une mitraillette et un téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle me racontait l'histoire d'un chanteur que je ne connais pas, ni les chansons, ni quoi que ce soit, qui a agressé une de ses fans par un baiser qu'elle ne souhaitait pas apparemment partager dans une cabine d'essayage. Et ce garçon, tout d'un coup, ça a fait un buzz, d'après ce que j'ai compris dans les réseaux, et ses concerts ont été annulés, en fait, sa carrière a été finie. Et quand elle me disait ça, je savais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui, dans ma tête, bougeait. Et je me rappelais une séance avec un médecin d'une ONG, après que deux populations dans un pays d'Afrique s'étaient battues, et il y en avait une qui avait été complètement éliminée. Et le chef du village, qu'elle avait, l'avait profondément ému, ça l'avait tellement marqué qu'on était en séance sur ce sujet. Et il disait une chose, on s'est toujours battu, mais quand on avait un fusil, c'était on tuait un, deux personnes, mais on ne menaçait pas l'ensemble du village. Alors que là, avec la mitraillette, on a tué tout le monde. Et j'associais ça avec le téléphone. Je me suis dit, mais Gisèle, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Et en fait, je repensais à ce téléphone. Tout d'un coup, on a peut-être la mitraillette qui va nous faire perdre la justice. Et alors qu'on s'est battu pour être sans armes par rapport aux États-Unis, et quand on voit le film de Michael Moore, on se rend compte qu'on a fait un très bon choix. Ça a permis d'avoir une paix, d'avoir moins d'armes, parce qu'on avait mis une justice forte. Mais aujourd'hui, on ne pourra plus avoir de justice si, avec notre téléphone, on n'est pas des gens qui communiquent une information, mais des justiciers, sans aller au fond du sujet, eh bien, on va se retrouver à l'époque où la foule pouvait pendre quelqu'un dans le village parce qu'on avait décidé que c'était lui, et où il n'y avait aucune proportion entre l'acte et la passion de la foule. Et ce garçon qui a sûrement sa carrière brisée va pas avoir le droit à une sanction, une punition, mais surtout à des juges qui vont regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que vous savez, des fois, les images sont extrêmement trompeuses. Il y a des gens qui sont aussi très malhonnêtes, qui peuvent provoquer une situation qui enflamme les cœurs, mais qui en fait était vraiment prévue. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire attention. Nous sommes sortis du village où on pendait les gens au plus haut d'un arbre. Nous avons résisté au fait de garder des armes dans nos maisons. Et aujourd'hui, nous nous trouvons face à un outil puissant dont nous n'avons absolument pas l'idée des dégâts qu'il peut faire. On le voit dans l'harcèlement et tout ça, mais on n'a pas la justice qui va avec, ni les moyens qui vont avec. Et pourtant, il peut être un témoin extraordinaire dans certains cas. Et vous voyez cette ambiguïté? Eh bien, ça me rappelle cette mitraillette. Bien sûr, avec un fusil, on tuait, mais on ne détruisait pas tout. Et donc, aujourd'hui, c'est une alarme que je pose. Il va nous falloir apprendre à considérer notre téléphone comme une possible arme, et peut-être qu'il faut s'éduquer avec elle et faire attention quand on retransmet quelque chose, eh bien de ne pas être un justicier, de ne pas être simplement dans l'empathie ou dans le cœur de ce qu'on voit, mais de donner le temps à la justice et les moyens, parce que là on voit qu'on les a enlevés, et les moyens à la justice d'être de son époque afin de contenir un outil puissant. Voilà.